Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football. Enfin, belle soirée, façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Pour l'instant, les deux équipes en sont épargnées. Elles vont pénétrer sur la pelouse dans quelques minutes. Le temps pour nous de vous communiquer l'info principale que vous attendez tous, la composition de ces deux groupes. Les couleurs des Nerazzurri sont fièrement affichées dans les tribunes. La tentative ! Et c'est au fond, au but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Alors là, chapeau, on voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Ouvrez le score à l'extérieur, ça c'est grand. Mais le public attend maintenant une réaction de ses joueurs, c'est certain. Ce ballon bien dosé. Oh, le contre, l'arme fatale. Il y a du mouvement. C'est joué long, attention. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Verzalco qui cherche la faille. Kwadwo Asamoah. Voici Icardi. La passe dans la profondeur. C'est Mahrez qui centre. La passe interceptée. Quelle passe. Oh, voici Immobile. Ce contre peut très bien aller au bout. Le long dégagement du gardien. Bon jaillissement, il fallait intervenir. L'Inter qui est dans le dur en ce moment. Pas la moindre victoire au cours des 5 derniers matchs. Il la remet. C'est bien fait ça. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Voici Icardi. Il tente de la jouer dans l'espace. La Lazio qui a en ce moment un calendrier plutôt chargé. Mais oui, c'est vrai, les matchs s'enchaînent. Attention à la fatigue. Ils s'en sortent. La Lazio qui récupère ce ballon. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long, attention. Il réussit à glisser ce ballon dans l'espace et ça n'arrivera pas à destination. Quelle fait du bien cette interception. Nainggolan qui choisit le côté gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. Bien, Icardi. Quelle détente! Ah, il manquait pas grand-chose, là! Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. L'Inter, qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses nouvelles. Il joue dans l'espace. La bonne passe. Et il prend sa chance. Oh, il résiste bien. Il continue son one-man show. Oh, quel geste. C'est le moment de centrer. Il enroule ce ballon dans la surface. La frappe. Le bon dégagement.
C'est joué long, attention. L'interception, bien joué. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Dans la surface. La frappe, attention! Et il marque! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. La Lazio vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Voici Icardi. Donc que ça va partir vite. En retrait pour repartir proprement. Et ils essaient de repartir de derrière. Nainggolan. Avec Mahrez. Cambreva. Qui est le premier sur ce ballon? Il était bien présent. Il allonge le jeu. Oh, voici Benteke. Oh, voici Immobile. Ça peut être extrêmement dangereux. La Lazio peut enfin respirer après ce coup de chaud. Cambreva qui veut se projeter. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Avec Mahrez. Bien tenté. C'est Mahrez qui centre. Trop long, le ballon est sorti. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Derrière. Savic. Pour trouver la faille dans la défense. Dans la profondeur. Oh, l'aspiration! Aucun danger pour le gardien. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. L'ouverture sur le côté. Mahrez qui adresse un centre rasant et c'est intercepté. Il joue dans l'espace. Le centre, ça peut être dangereux. Et ils alourdissent la marque. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien, écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. C'est un avantage certain, 3-0. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. Mahrez. Ça peut partir en contre. Il glisse le ballon en profondeur. Il continue. Avec Verzalco. Voilà une bonne occasion de contre. Savic. La passe dans la profondeur. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Va-t-il en profiter ? Lucas.
Il est bien placé. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. On peut y aller. Il était tout seul. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense et sa frappe manquait de conviction. C'est l'occasion de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Mauro Icardi qui est récompensé de son pressing. Il relance côté droit. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Arnold. La Lazio qui mène toujours 3-0. Et se dirige vers une victoire tranquille. Le bon dribble. Un centre au cordeau. Ça ne passe pas. C'est dégagé. Ça joue long vers l'avant. Pour trouver la faille dans la défense. La passe est précise. Il est passé. Ça peut faire mal. Une frappe qui ne donne rien et pourtant, quelle occasion! La contre-attaque était pourtant parfaitement menée, ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Arnold. Ça passe à droite. L'Inter, qui on l'a vu, concentre ses efforts défensifs dans l'axe. Oui, on dirait qu'ils ont peur des centres adverses. Bon, ils n'ont pas tort, hein. C'est une équipe qui marque souvent sur ce type de situation. Le tout sera de ne pas trop déserter les côtés quand même. Voilà, un coup franc intéressant. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Alors direct, combinaison, c'est un bon coup franc en tout cas. Il tire. Bien placé, le gardien. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Le défenseur ne monte pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Baldé. Oh, Icardi. C'est bien donné. Bonne intervention. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est joué long. C'est repoussé par la défense. Il ne se pose pas de questions. Bonne intervention, c'est récupéré. Mauro Icardi. La relance, côté droit. Oh, le bon ballon. La passe. Oh, l'occasion. Oh, il était bien placé, quelle occasion ratée. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. C'est joué long, attention. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ce sera une remise en jeu. Oh, le petit ballon piqué. Un grand dégagement le plus loin possible. Ah, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Le gardien loin devant. Faute, c'est indiscutable. Avec Mahrez. Mauro Icardi. Et il repique au centre. C'est bien donné. Ça sent la frappe. Et peut-être il frappe. Ça, c'était une occasion, elle est manquée. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe, ça leur a ouvert le chemin du but.
Et c'est directement récupéré. C'est bien fait ça. Pour trouver la faille dans la défense. Il peut frapper. Oh, Danovic, super arrêt. Mahrez. Ça peut être extrêmement dangereux. L'Inter qui va encore terminer un match sans avoir marqué. Ça joue à gauche. Voici Mahrez. Bien servi. Ça va sur l'aile. Va-t-il en profiter? Oh, le contre, l'arme fatale. Il joue dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, la frappe! Et le cadre se dérobe largement. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. La passe dans la profondeur. Il est tout seul! Mahrez, centre à ras de terre. Il est signalé en position de hors-jeu. Encore deux minutes dans les arrêts de jeu. Arnold. Derrière. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils ont parfait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Merci Grégoire. Things will make it hard to touch my skin now, and this is why.